Je voulais savoir si après toutes ces années, on pouvait faire la paix. Période de guerre en Ukraine, Covid, Johnny Depp, Will Smith. Les plus grands acteurs de cette société sont des marionnettes. Le prix du tiers-monde face à l'adversité d'un monstre nommé souffrance. Nous ne savons pas souffrir, nous ne savons pas grandir. C'est clair que la bourgeoisie ne sait pas ce que c'est de souffrir. Les élites adorent faire de la charité pour prétendre qu'ils aident la société. Mais ils n'ont jamais parlé à un pauvre. Johnny n'était pas comme ça. La richesse, c'est un monstre. La richesse, c'est un monstre. La richesse, c'est un monstre. Il est facile d'être roi chez les cons. La richesse, c'est un monstre. Ma génération a peur d'une opinion. Pas d'être manipulé comme des moutons. On ne peut pas sauver celui qui ne peut se sauver soi-même. Le reste est silence, silence, ignorance. Le roi des pauvres et le pauvre roi, c'est pas la même chose. La révolution socialiste, la rose au pétale d'épines, vivre à Jérusalem ou Palestine. Nous vivons donc dans la société du spectacle. Vos émotions sont historiques. Chaque détail, chaque contexte. Les films nous montrent des images de fiction, promeuvent nos illusions, la poursuite du bonheur, tandis que les publicités mentent. Tout le monde ment. Tout a un prix. Vendre son cœur, son esprit, la philosophie. Je pense donc je suis, je crois donc je fuis. Des faux narratifs, fausses accusations. Nos gouvernements se moquent de nous. Nous sommes des moutons. Bats-toi! Bats-toi! Hallucination collective, âge de l'hystérie, mensonge à la télévision. Femmes, hommes, nous sommes tous des menteurs. Oui, nous sommes fous d'amour, aveugles pour nous-mêmes. Je m'aime à la folie. Je m'aime à la folie. Je m'aime à la folie. La révolution invisible restera donc invincible.